qu'est-ce qui bloque les portes comme ça? Il fait froid ici. C'est sombre. Ah, ça va mieux. Hello les amis. Ouf. Ça caille. Donc, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Phil et Fab sur le tuto hivernage. Pas le tuto, les conseils. Chauffage d'appoint. Eh oui. Donc on va le mettre. Qu'est-ce qu'il disait? Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Ah, plaisante, Phil. Allez. Mais en tout cas, ça marche bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Parce que là, ce tour-ci, il fait pas chaud. Hein. Donc, je vais vous présenter une vidéo qu'on avait fait il y a 2 semaines, un week-end. On s'était fait une petite randonnée du côté de Münster en Alsace 68 au Rhin. Pour ça, j'ai suivi un bouquin que j'avais acheté sur le net. Ça s'appelle Randobière en France. Voilà, c'est deux jeunes qui ont fait ça, des baroudeurs. Ils n'ont pas forcément de camping-car. Je vais vous montrer où on était. Donc la randonnée, c'était à Münster. Bon, il y en a plusieurs. Dans plusieurs départements, vous avez, il se peut qu'il y ait plusieurs randonnées à faire. Donc vous avez le choix. Mais l'intérêt de cette randonnée, c'est que à la fin, eh ben, vous pouvez déguster ou acheter des bières qui sont fabriquées là-bas, les bières du pays, quoi. Donc, pour notre part, on était parti à Mühlbach-sur-Münster, une randonnée de 14 et quelques kilomètres, donc 5h30 de marche. Et on était allé, on a fait une boucle jusqu'au Neck, et on est redescendu au parking où on avait stationné le camping-car. Voilà. Donc, forcément, on est revenu. La brasserie, c'était fermé hein, un dimanche. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez toujours acheter des bières là, dans une ferme auberge ou un bar, ou même là, ils conseillaient un proxy. Supermarché. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire découvrir. Oui, autre chose, j'ai pallié au problème de tremblement pour quand je filmais avec la GoPro. Je me suis acheté en occasion sur le Bon Coin et je remercie le jeune homme qui me l'a vendu hein. Voilà, c'était sympa, il m'a fait un super prix. Donc je sais qu'il regarde mes vidéos, donc je vais lui dire merci. Je me suis acheté une DJI Osmo Pocket. Voilà. L'avantage, moi ce que je recherchais, bon, en batterie ça doit durer peut-être 2 heures, je sais pas, ouais, 2h30, 3 heures. Mais ce que je recherchais c'était surtout que la gimbale, elle était montée sur 3 axes. Voilà. Et là, il n'y a plus de problème de tremblement. Hein. L'autre avantage, c'est qu'il y a un écran. Alors, je vais vous montrer. Hop. Oui. C'est qu'il y a un écran de contrôle. Mince. Ce qui permet de cadrer un peu mieux les vidéos. Quoi. Ce que j'avais pas sur la GoPro. Voilà. Et c'est pas grand. Donc ça va dans la poche. Hop, j'éteins. Donc je vous laisse avec la vidéo. Je vous souhaite bon Halloween. Profitez bien du grand week-end avec le jour férié. Et merde, qu'est-ce que c'est de ce beans? On nous a fauché les batteries du camping-car ou quoi? Lumière!
D'un coup, ils sont tombés les feuilles. Despair we share, hope we breathe.